Bonjour les amis, alors aujourd'hui, pas du tricot, mais j'ai réalisé mon premier bracelet. Très, très simple à réaliser. Vous pouvez faire avec n'importe quel Alors, vous choisissez vos Vous voyez, c'est très élastique. Vous pouvez tout faire pour réaliser des trucs, même pour la tête, pour le pied, pour le bras. En fait, tout ce que vous voulez. Donc, très simple. Voilà. Alors, pour réaliser donc ce petit bracelet, il me fait des petites boules de pilote. Ben, chez nous on appelle ça des ziguidas. Je vois, je sais pas comment, quel nom est-ce que vous appelez ça. Vous pouvez, bon là j'ai choisi c'est en bambou. Il a dit en bambou et puis... Mais... Donc vous pouvez choisir des perles en bambou ou bien en plastique à sable, en fait, comme vous voulez. Alors donc, je vais vous montrer juste un petit exemple. Pour cela, j'ai pris de la laine. Il me faut un crochet. Bon, là, j'ai choisi un crochet numéro 3. Vous pouvez prendre crochet numéro 1, crochet numéro 2. Puis, vous enfilez donc votre aiguille. Et puis, ce que je vais faire, je vais juste... placer les couleurs comme je veux. Donc, vous choisissez comment est-ce que vous allez placer vos couleurs. Ça dépend de vous. Faire. Et puis, je fais glisser mes perles. Ici. On va juste faire un petit exemple. On peut s'arrêter ici. Ça suffit là. Ça. Je le mets de côté. Je retire. Puis j'ai monté. Ce que je vais faire donc avec, je prends mon crochet. Je vais former ici. Je fais une maille chaînette et deux mailles chaînettes. D'accord? Je récupère la première perle. Je crochet ceci, je tourne et je viens piquer dans la je viens piquer dans la deuxième boucle de ma chaînette. Alors je vais monter un petit une petite chaînette, disons de on va faire pour l'exemple, on va monter 15. Arrivé ici, donc je récupère une autre perle. Si. Je d'accord. Je retourne donc la paire et je viens piquer dans, vous voyez, à l'intérieur, ça, ceci, puis je ressors
Parfait. J'ai trop serré. Ici. Je récupère une autre paire. Donc, vous voyez, de gauche, je vais aller de gauche à droite. Et je fais. Ceci. Je retourne, d'accord, et je viens dans l'autre paire, je fais. Je récupère, je prends paire. Ça me fait 2. Je tourne. Je viens à l'intérieur. Là. Je fais maille. J'ai 2 mailles. Deux paires de l'autre côté. Je récupère une autre. Et je refais la même chose. Je tourne. Je viens tisser dans la paire de gauche. Ça me donne. On fait la même chose. On tourne. On vient piquer. Les crochets de gauche. Vous voyez ce que ça nous donne. Alors, j'aimais bien le faire à l'école, ce que mes amis adoraient acheter. Et je me faisais un petit peu d'argent avec. Alors, vous voyez ce que ça. Alors, on va continuer la même chose jusqu'à la fin. On tourne, on refait. Là, pourquoi? Faire juste tourner et vous allez continuer comme si jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vous ayez votre la longueur voulue. Après, quand vous arrivez, donc là, ce que j'avais fait, vous allez refaire maille une chaînette, d'accord. Et puis à la fin, donc vous allez prendre une perle. On tisse. Et puis on coupe le fil. Voilà, vous avez votre petit bracelet personnel. Les deux, donc ça va servir juste à pour attacher. Vous allez faire un petit nœud ici. Et voilà. Voilà notre petit bracelet personnel.